Avant de commencer la vidéo, pensez à jeter un œil à la chaîne Petit Beurre qui se trouve dans la description. Vous pourrez y retrouver plein de surprises. Parfois, certains animaux se retrouvent dans des situations très compliquées où sans l'aide de l'être humain, il leur serait impossible de survivre. Entre ceux qui se retrouvent coincés dans un endroit sans nourriture et ne parviennent absolument pas à en sortir, et ceux qui se retrouvent piégés à l'intérieur de déchets laissés par l'homme, ces animaux ont besoin d'être sauvés, et lorsqu'ils le sont, c'est toujours un moment très beau et très émouvant. Que ce soit des chiens, des chats, des canards ou encore des renards, de nombreuses espèces d'animaux ont déjà été sauvées par des hommes, et nous allons en voir quelques exemples aujourd'hui avec ces extraits vidéo. Mais avant ça, bonjour à tous! C'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les plus beaux sauvetages d'animaux. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. On commence avec une vidéo vraiment touchante dans laquelle vous allez assister au sauvetage d'un petit renard. Lorsqu'un homme l'a trouvé par hasard dans la forêt, l'animal avait coincé sa tête à l'intérieur d'une roue de voiture et il n'arrivait absolument pas à s'en défaire. L'homme est arrivé au bon moment car sans lui, le renard serait sans doute mort de faim ou d'étouffement. En effet, l'homme a eu le bon réflexe et il a aussitôt décidé d'emmener le renard dans un hôpital pour animaux. Là-bas, une infirmière aidée de l'un de ses collègues a tenté par plusieurs moyens de retirer la roue qui se trouvait autour du cou du renard, en essayant d'être délicate et de ne surtout pas lui faire mal. L'opération a finalement été menée jusqu'au bout avec succès, et suite à cela, le renard a été gardé quelques jours pour recevoir des soins et se remettre de ses émotions avant d'être relâché dans la nature. Anesthetize it. So we take it up to the hospital where Sarah is waiting. It's a couple of weeks ago. Look, there was lovely clever bites, apparently, so. Might be worth anesthetizing him actually, because he is quite bitey, isn't he? Please don't right, cook he, me. He might well struggle a bit because they don't like the anesthetic. Come on, Foxy. What is he doing? Sticking his head through it? The scaled down version will free the fox. What we're trying to do is basically sort of encase his head in plastic. There you go, buddy, mate. Jeez, it's got, gone about half an inch since you said that. Yeah. You reckon, Sarah? Thank God for that. Right, let me get him on oxygen. A quiet place to rest and recover. Numéro 2. Nous allons maintenant voir le sauvetage d'un chaton. Et cette fois-ci, vous allez voir, c'est très touchant. Le chaton était tombé dans une mare de boue au beau milieu d'un champ de riz. Et si cet homme ne l'avait pas vu, il aurait pu y rester très longtemps car il n'était pas visible depuis la route. Heureusement, cet homme n'a pas pris le temps de réfléchir. Dès qu'il a vu le chaton qui a essayé sans succès de sortir de la boue, il a aussitôt couru l'aider. Il l'a sorti de la mare à l'aide d'un long bâton, et ensuite, il a entrepris de lui enlever une grande partie de la boue qui le recouvrait grâce à des feuilles et des herbes. Ensuite, il l'a emmené chez lui pour le laver et le nourrir. Finalement, l'homme a fini par adopter le chaton pour lui offrir une meilleure vie. Numéro 3. Cette canne a bien failli perdre ses bébés. En effet, ceux-ci étaient tellement petits qu'en passant au-dessus de la bouche d'égout, ils sont tombés à l'intérieur en passant par les fentes de la grille. En voyant la mère courir autour de la bouche d'égout en criant, des agents des travaux publics ont deviné que les canetons devaient être coincés sous la grille. Ils ont donc enlevé celle-ci afin de récupérer tous les bébés dans les égouts, puis ils les ont relâchés auprès de leur maman. Tout est bien qui finit bien. Mais espérons quand même que cette aventure leur a servi de leçon et qu'ils ne s'approcheront plus des bouches d'égout.
Numéro 4. On continue avec un autre sauvetage qui fait chaud au cœur. En effet, c'est toujours triste de trouver un chien abandonné par ses maîtres, mais ça l'est encore plus lorsque ce chien était abandonné en plein hiver au beau milieu de la neige. La personne qui a tourné cette vidéo était en train de conduire sur une route enneigée lorsqu'elle a trouvé un chien allongé dans la neige et en train d'aboyer. Ce chien n'avait malheureusement pas de collier et il avait certainement été abandonné par ses maîtres. La personne qui l'a trouvé a eu le bon réflexe. Elle a sorti le pauvre chien de la neige et l'a pris dans sa voiture afin de l'emmener au chaud. La vidéo ne nous dit pas si cette personne a fini par adopter le chien ou bien si elle l'a emmené dans un refuge pour animaux, mais ce qui est certain, c'est que cet animal ne sera plus obligé de rester dehors sous ce temps. Numéro 5. On termine ce top avec la vidéo d'un sauvetage d'épervier. Ces oiseaux se sont retrouvés coincés dans un entrepôt de pneus et ils n'arrivaient pas du tout à retrouver la sortie à l'air libre. Une équipe de sauveteurs sont venus les aider en les capturant avec des filets avant de les relâcher dans la nature. Ces oiseaux sont connus pour être très difficiles à attraper et pour cette raison, l'opération de sauvetage s'annonçait très délicate et l'équipe appréhendait beaucoup de commencer. Mais finalement, ça s'est bien passé comme le montre cette vidéo. En plus, la capture s'est faite beaucoup plus rapidement que l'équipe de sauveteurs ne l'avait espéré. Oh, there it is, look. This might be dead simple. We'll get net, one either side, we'll really get, I'll go behind him. Well done. Let's just touch both back together. Very thin.